Plume de poulet dans ma bière, c'est normal. Ah oui, l'ingrédient spécial de notre... Ah, là voilà. Justement, on parlait de toi. En effet, nous avons levé nos verres à l'exploit que vous avez accompli en débarrassant Mistpeak de sa cœur et de ses hommes. Cela faisait déjà bien longtemps qu'il nous causait des problèmes. C'est Savin surtout qui va être heureux. Ces gitans vont enfin pouvoir avoir la paix. Bien sûr, ils ont enduré des souffrances insupportables. Je parlais à Samuel de la terrible situation dans laquelle il se trouve. Il pense qu'il serait en mesure d'aider. Eh bien, oui, peut-être. Je veux dire, bien sûr. Mais comme je l'expliquais il y a un instant à Sir Walter, les ressources dont Brightwall dispose actuellement sont malheureusement limitées, vous savez. Les impôts royaux sont beaucoup trop élevés et les pénuries beaucoup trop fréquentes. Mais si vous veniez à améliorer la situation de Brightwall, ses habitants vous en seraient reconnaissants. Et lorsque les habitants sont reconnaissants, ils deviennent aussi très généreux, vous savez. Je suis sûr qu'ils sauront écouter leur bon cœur et qu'ils aideront ces pauvres gens. Bien dit. À mon avis, il te faut rassembler un maximum de partisans si tu veux mener à bien une révolution. C'est le moment de s'y mettre. J'approuve de tout cœur, Sir Walter. Pardonnez-moi d'avoir écouté. Et il se trouve que j'ai eu vent d'une méthode prometteuse pour rassembler des partisans. Revenez au sanctuaire quand vous le voudrez, et alors je pourrai vous en dire plus. Rendez-moi ce dont vous ne voulez pas. Ah, le livre dit que la table d'orientation du sanctuaire possède une autre propriété étonnante. Elle peut vous aider à trouver des gens qui ont besoin d'un héros. Pour gagner des partisans, le mieux consiste à aider les villageois dans le besoin. Regardez attentivement Brightwall et je vous en dirai plus. Maintenant, vous voyez les villageois dans le besoin. Vous voyez combien de partisans vous devez réunir pour impressionner Samuel et la population de Brightwall. Choisissez un villageois à aider. Ce faisant, vous gagnerez le respect et la loyauté d'autres habitants de la région. Terrible. Bien, vous allez avoir besoin de ça.
Contrairement à ce que pensent la plupart des gens, les poulets sont très, très malins. Ils se feront pas avoir par un « Venez là, petit poulet, j'ai de la nourriture pour vous !» Oh non, ils sont trop intelligents! Vous devrez les vaincre par la psychologie. Non, ils resteront pas soudés. Ils vont se diviser en groupes de 3 environ pour optimiser leur avantage tactique. Quand vous trouverez l'un de ces groupes, battez des ailes et ils devraient vous suivre jusqu'ici. Mais ne les laissez pas tenter de négocier avec vous. Vous feriez mieux de ne pas vous laisser manipuler par ces sales volailles, croyez-moi. Je suis certain que les habitants de Braithwall finiront par vous suivre. Vous avez un nouveau costume dans votre garde-robe, un costume à plumes. Vous êtes habillé comme un poulet. Qu'est-ce que vous comptez faire, habillé comme cela? Il vous fallait autre chose? Bien joué. Ne vous arrêtez pas maintenant. Les autres vont commencer à avoir des doutes. Vous ne trouverez rien de mieux dans tout Braithwall que ce que je vends ici. Beau travail. Vous avez mis fin à leur règne de terreur avant même qu'il ne commence. Voyons si vous pouvez en trouver d'autres. Utilisez la tenue de poulet pour qu'ils vous suivent. C'est un peu dingue, juste assez pour que ça marche. Je me rappelle quand j'avais leur âge.
Pourquoi portez-vous ces horribles gants ? Tout ce qu'il vous faut et bien plus ici ! Bougre d'imbécile, espèce de misérable coquin. Ils sont tous là. Enfin, la ville peut dormir tranquille. Oh, Bernard, les voilà à nouveau enfermés. C'est injuste. Ils mériteraient d'être libres. Tu parles toujours des poulets et de leur liberté. Tu sais ce que j'en pense? Que c'est toi qui les as laissés sortir. C'est vrai. Je l'admets. Je ne pouvais plus vivre comme ça, en étant complice de cette oppression des poulets. Mais ils auraient pu détruire toute la ville. Et peut-être même le monde! Ils auraient pu vivre leur vie en toute liberté! Ils auraient même pu créer des chefs-d'œuvre artistiques ou littéraires! Tout ce que je sais, c'est que nous n'avons pas le droit de les priver de leur liberté fondamentale! Bien! Maintenant, il est clair que les priver de liberté ne suffit pas. Je dois partir du principe que tu vas essayer de faciliter une nouvelle évasion. Ce qui signifie que la seule solution est de les tuer. Oh non! Très bien, on les épargnera. Mais seulement si tu jures de ne jamais les laisser sortir à nouveau. Très bien, très bien. Je vais essayer. J'espère pas avoir commis une énorme erreur. Mais si je les tuais, ça en ferait des martyrs. Oh, je suis vraiment pas sûr. C'est comme ça, Bernard. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. J'aimerais pouvoir le croire. Vraiment. Il faut simplement qu'on parvienne à... Ah, bonjour. J'espère que tout est en ordre. C'est très bien. Vous pouvez utiliser ces mannequins pour ranger votre tenue actuelle et la retrouver facilement une prochaine fois. Il vous fallait autre chose ? Dans cette salle, eh bien, le livre des héros prend ici une tournure totale. Lorsque vous recevrez un cadeau, je le mettrai ici en attendant que vous veniez l'ouvrir. Je ne re... N'hésitez pas à changer la couleur de vos vêtements ou de vos cheveux. Après tout, c'est à ça que sert la teinture. Très belle allure ! En parfait accord avec votre genre.
D'accord. Madame, vous... Vous, chère madame, vous qui vivez... Oh, vous allez rechercher la pièce légendaire disparue. C'est formidable. Grâce à vous, tragédie et comédie pourront enfin être réunies. Arrière, simple mortel, retournez de là où vous venez. Ne tardez pas, écoutez-moi et quittez ces lieux maudits. Vous ne le comprenez donc pas, seule la mort et la folie vous attendent. Ça suffit, ne le touchez pas. Non, non, vraiment, vraiment, j'insiste. Jamais la paix. Vous ne pouvez donc pas me laisser tranquille une seule seconde. Saleté de touriste littéraire, soyez maudit à jamais. Écoutez-moi, vous. Vous n'aurez jamais ma pièce, c'est compris? Elle est nulle. Non, pas nulle. Elle est encore pire que nulle. Où avais-je la tête pour écrire tel torchon? Pour mélanger ainsi tragédie et comédie? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Il semblerait, ma brave dame, que vous ayez été appréhendée par le fantôme de Philippe Morley. Nous sommes tous les deux ses prisonniers. Je suis Ransom Locke. Si mon nom vous est familier, c'est parce que j'étais un détective de renom. Et voilà qu'aujourd'hui, je me retrouve enfermé dans un livre pour le restant de mes jours. D'après mes déductions, nous sommes dans une scène d'une des pièces les plus romantiques de Morley, la quasi-tragédie d'Oliver et Ethel. Je crois que pour nous échapper, nous allons devoir interpréter cette scène, mais jouer la comédie n'est pas dans mes cordes. Si je ne me trompe pas, en mettant ce costume, les choses devraient bouger. Oh, ma belle Ethel, soleil de mes nuits, fais-moi ne serait-ce qu'un signe. Un geste témoignant de ton affection pour moi. Ma morne existence vaudrait alors la peine d'être vécue. Ah oui, voilà un grand classique. Vous jouez Ethel, la gracieuse et jolie jeune fille d'un marchand de fumier. Témoignez votre amour à Oliver, et nous pourrons alors boucler cette scène. Mon cœur t'appartient, mon amour. Que les cieux et les océans, les grenouilles et les anguilles chantent à l'unisson, car mon amour, je ne saurais être plus heureux.
Retrouvons-nous au matin, ma belle fouine, et fuyons au soleil levant pour vivre notre amour comme au premier jour. Quelle interprétation! Je vous tire mon chapeau. Je vois que vous êtes venu pour monter sur scène, cela ne fait aucun doute. Mais comprenez-vous vraiment toute la portée de mon œuvre? C'est ce qu'on va voir maintenant. Ah oui, c'est sans doute l'une des scènes les plus anciennes et amusantes de Morlaix. Bain de sang à la cour royale. Et ceci doit être votre costume. Le rôle du bouffon est empreint d'une profondeur tragique. Il nécessitera une performance magistrale. Quelle insolence est-ce qu'on me fait là? Hors de mon trône immédiatement, espèce de bouffonne! Prosterne-toi devant ton roi et remplis donc ton devoir de bouffon. La cour vit des jours vraiment difficiles et mes fonctions royales m'épuisent. Alors fais-moi rire ou je te fais décapiter. Gouzigouzigouza. Arrête, c'est trop drôle. Je suis enfin de bonne humeur pour recevoir ces délégués étrangers. J'en épargnerai peut-être quelques-uns, pourquoi pas. Je n'ai jamais vu pareil bouffonne. Voilà qui me redonne de l'espoir. Oh, vous jouez aussi bien ma tragédie que vous jouez les moments les plus romantiques de mes œuvres. Mais est-ce que votre polyvalence peut s'étendre à d'autres domaines plus subtils? Là est toute la question. Ça alors, sauf erreur de ma part, nous allons jouer une scène de la plus violente pièce de Morlaix, Titus le Mutilateur, deuxième partie. Nous sommes ici dans l'arène de combat de l'acte 5, où Titus se fait finalement massacrer par de sauvages guerriers vengeurs. C'était l'une de mes scènes favorites quand j'étais enfant. Et voici le célèbre costume de Titus. J'avais des pyjamas qui ressemblaient à ça. Enfilez-le et vous serez prête pour le plus grand rôle de votre vie. Titus, ton corps vérolé sera ta punition pour tous tes actes monstrueux. Mon fils est mort par ta faute, tu entends? L'heure de ma vengeance a sonné. Elle sera aussi froide que ton cadavre, et tu sais quoi? J'en savourerai chaque instant. Faites en sorte que votre mort soit... convaincante. Viens, je vais te raccourcir la tête. Parade là.
essaie de pas rester court. Tous mes hommes sont morts. La vengeance m'est refusée. Tout mon monde est tombé en ruine. Je ne pourrais supporter de vivre une seconde de plus dans ce monde. Quelle performance remarquable en tout point. C'est la fin à laquelle j'aurais voulu assister au théâtre alors que j'étais jeune. Je me demande bien quelle scène nous allons jouer maintenant. Oh oui, quelle scène pourrait donc possiblement succéder à une interprétation aussi magistrale de mon rêve. La façon dont vous avez interprété ces rôles a donné un nouveau sens à mes créations. J'en suis encore tout à fait émerveillé. Je vous offre un magnifique et unique cadeau. Sachez que vous êtes la première personne à qui je me décide de faire un tel honneur. Je vous fais cadeau de ma pièce perdue. Je vous la confie, car je sais que vous saurez l'apprécier à sa juste valeur. Je l'ai appelé sandwich au jambon. C'est une métaphore, comme vous vous en étiez sans doute déjà rendu compte. Je vois que vous avez trouvé notre vieil enquêteur à la bonne heure. Ouah ! Sinon, auriez-vous par hasard... Nous sommes sauvés, Lambert. Oh, mon fort intérieur, je ressens une joie infinie. Merci, un million de fois merci. Ah, ah ! Tu te laisses enfin aller à la bonne humeur. Ah ! Te voilà prêt à jouer la comédie. Écoutez, vous êtes témoin de la tragique futilité de cet homme. Oh, quelle torture inimaginable, celle d'entreapercevoir le paradis et d'en être soudain exclu. Ça me rappelle une super blague. Un poulet entre dans un bar et commande un verre. Seulement le barman lui en fait payer deux. Il s'est donc fait plumer. Et qui pourrait dire quel dessein, son immense peine de cœur serre-t-elle lorsque les ténèbres infinies de la mort s'abattent doucement sur notre corps encore palpitant? Qui pourrait le dire? Ça me rappelle une autre blague. Un cadavre entre dans un bar et demande une limonade. Certainement, lui répond le barman, mais vous préféreriez pas une eau de vie? Et c'est ainsi que se termine enfin notre tragicomédie, en nous rappelant que finalement, nous ne sommes que poussière. Et maintenant, notre idiot de service n'a plus qu'à ajouter... Vive la tragicomédie! Bon sang, c'était quoi? C'est le pire truc que j'ai jamais vu. Ça n'avait aucun sens! La pire pièce de tous les temps. Bravo! Vous avez réuni un nombre impressionnant de partisans à Great Wall. Cela devrait suffire à convaincre ce petit hameau d'envoyer alors, de l'aide aux gitans. Que comptez-vous faire à présent? Je crois que Samuel vous attend devant les portes de la ville pour vous en parler. J'espère bien que non. Ma patience et mes capacités d'interprétation diminuent de jour en jour. Je dois me faire à l'évidence. Ce n'est plus de mon âge, tout ça. Vous ne voulez pas prendre des... Vous portez certains des plus beaux habits que j'ai vus.
certains magasins commencent à être en rupture de stock. Vous ne trouverez rien de mieux dans tout Brightwall que ce que je vends ici. Je joue vraiment de malchance. Vous avez vraiment bon cœur. Surveillez bien les soldes. Il peut y en avoir à tout moment. Allez voir ailleurs si j'y suis. Monstre ! Désolé, pas d'or, pas d'achat. Je ne demande pas grand-chose. Super, les chaussures. Les affaires vont mal. Dépensez pour ce que vous avez de sacré. Dis à mon proprio, ils se plaignent du bruit encore une fois. Je les écrabouille. Ça, c'est une très belle jupe. Je paie grassement pour les biens dont vous ne voulez pas. Sur le champ. Les prix ne peuvent pas descendre plus bas. L'économie est en crise. Quand est-ce que Lambert et Pinch vont enfin arrêter la comédie? Leur dernière pièce était la pire de toutes. Cette chemise vous va ravir. Très chers citoyens et citoyennes de Brightwall, aujourd'hui nous prouvons la nature généreuse et bienfaisante de notre bonne ville bien-aimée. Nos voisins des montagnes ont souffert en silence pendant bien trop longtemps. Alors aujourd'hui, l'heure est venue pour nous de leur tendre la main. Mais cet effort n'aurait pas été possible sans le courage et la détermination sans faille d'une femme admirable et dévouée. J'ai nommé la fille de l'ancien roi héroïque. Désormais, nous ne vous connaîtrons plus que sous un nom. Vous serez pour nous l'héroïne de Brightwall. Avant votre départ, nous aimerions vous demander une seule et unique faveur. Nous acceptons de nous rallier à vous, mais en retour, nous espérons que vous veillerez à redonner à Brightwall sa gloire d'antan et à rouvrir l'académie que votre père avait fondée. Je le ferai. Très bien, c'est parfait. Vous n'en espérez pas moins de quelqu'un comme nous. Ces volontaires apporteront les provisions au camp des Gitans. Elles leur sont destinées avec notre bénédiction. J'espère qu'un jour, vous reviendrez, pas simplement en tant que notre héroïne, mais en tant que notre reine. Nous en avons pour toutes les bourses. C'est parti. Sur ce mur, ce que vous avez fait pour ces pauvres gens des montagnes.
Voilà notre héroïne de retour. Elle apporte des bonnes nouvelles. Ah ! Et le souper. Ce foutu truc ne s'ouvre pas. Comment ? Pour tout vous dire, je n'aurais jamais vraiment pensé que vous réussiriez. Boulder. Nous sommes bénis, mes amis. Nous avons formé une alliance qui porte déjà ses fruits. Et bientôt, elle nous apportera bien plus. Je vous demanderai juste une dernière chose avant qu'on fasse équipe, Majesté Rebelle. Boulder. Une promesse. Celle de redonner leur gloire à ces montagnes et de nous laisser y vivre comme auparavant. Et surtout, la promesse de faire payer durement à Logan pour tous les crimes qu'il a commis. Je le promets. Et maintenant, rallions le château et déchaînons notre fureur, la plus sombre sur lui. Il va falloir attendre encore un peu pour ça. Pour l'instant, il n'y a que nous contre une armée entière. Il nous faut recruter plus de monde. Vous avez on ne peut plus raison sur ce point. Vous nous avez apporté à manger, et maintenant, nous pouvons à nouveau chasser. On va boire et manger jusqu'à ce que vous soyez prêts à partir. Pas vrai, Boulder ? On ne peut pas faire plus heureux. J'ai mis sur le mur le contrat de la promesse que vous avez faite à Savin. Tu as gagné un allié d'envergure aujourd'hui. La Révolution n'a aucun espoir de réussite sans des guerriers d'honneur comme Savin et ses hommes. Tu possèdes maintenant le début d'une armée. Quel horrible tatouage! Je suis plus que fier de ce que tu viens d'accomplir. Mais il nous reste encore beaucoup à faire. Et je sais exactement où trouver nos prochains alliés. Retrouve-nous à la station de Mistley. Qu'est-ce que c'est?
Je n'ai jamais beaucoup lu, mais c'était bien de savoir que le royaume abritait la plus riche bibliothèque. Qu'est-ce que ce sera aujourd'hui ? Succès assuré avec les habits de notre collection raffinée. Voilà à quoi doivent ressembler les héros. Venez vous faire plaisir dans ma boutique. Vous cherchez quelque chose ? Je propose les plus beaux tatouages. C'est un bel objet. La plupart des gens aiment les motifs tribaux. Les Sauf prix, les c'est gens pas vivant dans une vraie tribu. C'est la faute de l'économie.